Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arc Pokémon All Stars. Bah voilà, on suit encore une fois l'évolution hein, par rapport au dernier épisode. Ça suit son cours. Du coup, comme je l'avais dit, je vais aller chercher des perles. Je vais peut-être pas forcément le faire en vidéo ou juste le moment où je les trouverai à la limite. C'est pas forcément très intéressant. Et ensuite, on va revenir et je vous dis, je vais tester un petit peu la vending machine là, pour savoir justement si c'est intéressant en fait ce que ça. Ce qu'on peut crafter dedans ou pas, quoi. Donc on va voir ça. Et puis ensuite, ouais, ce serait bien qu'on se fasse le Fabri aussi au milieu, là. Que ce soit sympa. Allez, on va voir tout ça. À de suite. Alors que tu vois, par exemple, Attendez, tout moi, ça? bon, je sais que mon Carabaf et mon Reptincelle, ils vont bientôt évoluer, quoi. Ah, mais t'es un Monsieur Mime, toi aussi? Ouais, je viens de le choper, 73. Attends, y'a quoi, du Mâle coup, ou femelle, le Scarabrut tien? et Salamèche? Là, ils ont quoi? Rondoudou? Ah oui, du coup, c'est lui le joueur qui a Mewtwo. Oh Regarde. là là. Il a trop de chance. Comment il se la pète. M'étonne. Eh, hey, t'as passé combien de Pokéball là? Enfin, de Super Ball pour le Mewtwo? Mais pourquoi je me suis endormi? 'Parce que t'as faim? 20? Oui. Ok. Ah mais ouais, mais moi je suis à la chasse aux Pokémon, j'oublie de Qu'est-ce manger, qui de boire moi. est. Non mais vas-y, Ah garde-les, putain. t'inquiète, on s'en fera, hein, vas-y. Merci, merci. Ah ouais Ah, moi j'avais d'accord. testé à la Pokéball et j'avais 0% de chance, du coup j'ai pas retenté, mais Vas-y, j'avoue regarde ses qu'à stats du coup. la Super Ball, t'avais combien de pourcents pour celle que t'as fail? Je t'ai mis à T'as manger, je regardé t'ai ou fait pas? manger un béni. Ah merci. Ouais, et en fight, mêlée 243%. Ok. À mon avis, le pourcentage Et doit le être vachement mien. faible, même à la Super Ball. 20! Parce qu'à la Pokéball, c'était zéro. Bon, en tout cas, GG pour le 200%. Mewtwo, magnifique. Hein. Oh my god. Genre Eh, 1628. Ors, Oh, il prend combien tu de viens vie? avec moi, on va essayer de choper un insécateur. Je fais un insécateur. Attends, attends, deux 140, secondes. Je moi il regarde prend un une peu vie ce qu'il par y a. Donc level. là, il y a le petit chenipan. Le ferro-singe. 140 HP par level, il prend. Et lui, je Ah, sais tu peux pas. crois qu'il a déjà des levels Et après ça, ce c'est son tignon. tignon, tout ça, c'est à. Ouais, c'est mon tignon! Bah avant de faire d'autres thèmes, moi j'étais chaud pour aller chercher quand même des perles Fait et 3,5 en dégâts. tester Ouais. des trucs, Oui, vous essayer de avez faire raison, le moi je sais Fabri. que. Il Non, y a en même quelqu'un temps. qui a dû faire un Bah, le follow. truc c'est que moi je fais Pex Morph Thunder et en même temps je fais du tame, tu vois. C'est que je veux mon Dracaufeu pour pouvoir voler. Ouais, moi aussi je veux mon Eh, mais Dracaufeu du coup, pour on va voler, pouvoir mais. faire up nos Salamèches là. Si on balance nos Je sais pas Pokémon s'ils au ont top pris de des level levels un un peu. peu. Ouais, Parfait, ça va. merci, merci. Pareil, j'aimerais T'en bien sors? Faut faire la qu'il HP. T'as vu level ça? up lui. Fusion 82. De quoi? Au pire, si t'as du mal à Mais c'est looter, normal. enfin à Moi, tamper ce que je Pokémon, vais de faire, trouver c'est que des je vais super attendre balls, hein, qu'il. t'auras peut-être plus de chance. Ouais, c'est ce que je vais faire justement. Je vais ramener plein de métal, je vais en faire un peu. Oh, c'est OP les PV qu'il prend lui. Oh, il peut tellement être OP. Qui ça? Qui ça? Mon Monsieur Mime. Il prend combien? Beaucoup. Moi, j'ai regardé, il prend Ouais, il prend 140. 100. Bien. Il prend 140 en 3. 470. Attends. Ouais, il prend quasiment 200. Ouais. Tu l'as eu level combien du coup? Je sais plus. Level 100. Enfin, après time, level 100, pardon. Ah ouais. C'est là, il a 5000 PV, hein. 5000. 5000 PV, oui, c'est pour ça. J'ai monté un peu ses PV du coup. Il était à 3000 et quelques. Là, je l'ai monté à 5000. Et D'accord. melee damage, il est à 270. Hein. Ouh. Et Mec, il s'amuse avec j'aurais une vitre. acheté. Il s'amuse avec une Et vitre en s'amuser. bois. Ouais, bah c'est. Il y a des autistes hein, chez toutes les créatures. J'ai hâte aussi que mon starter il up, enfin qu'il évolue, parce que je sais qu'il a une attaque spéciale quand il évolue, il est assez stylé. J'aimerais bien vous la montrer. Mais lol, pourquoi elle m'en veut? Elle, je lui ai rien fait. Bon allez, du coup je vais partir chercher C'est quelques offensif perles. la bestiole rouge et blanche qui vole là. C'est la Oui, pièce. c'est la Oui, ça fait pièce. mal en plus. Alors je te Attends, conseille de te mettre rassure-moi. un point où tu retrouveras ton corps. Là, il est où Non. le. Je vais faire ça. Ah, il est là. Ok, vas-y, je dégage. Défends-moi! Allez! Ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Défends-moi! Parce qu'il peut pas le toucher, je crois. Hop. Ah, c'est plus buggé là. Ouh, Putain, en tout cas, j'ai mais. Il bien a fait fait grand monter le zone, poids. Hein. Le poisson, il est passé à 1500 d'un coup, mon gars. Là, il peut porter. Ouais. J'ai hâte que tu ramènes les perles, voir si on peut crafter des potions pour leur remettre leur vie, parce que c'est trop chiant. Mais 20 ans en régène, les Pokémon. Hein. Là, il va Ouais, bien mais c'est plus bon, vite. je Je suis vais mis être dans un les petit peu lourd, 22. tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais un peu lent aussi avec. Et là, au moins, je peux bien porter. Là, je suis en train de faire de l'huile aussi. Ouais. En même temps. Ouais. Tant que j'y suis, ça va nous Mais ton servir Scarabouche, je après sais pas pour ce qu'il fait. le fabriquer et tout, tu sais. Il se balade lui. Ouais. C'est censé être la, tu sais, le Pokémon le plus. Putain, j'ai Je suis Manger des jamais. perles en tout Non. cas, c'est la bonne Ok, nouvelle. nice. On a plus de base, mais on a des perles. Ouais. On est gagnant au trade, c'est bien connu. Oh oui. Ah, bonne nouvelle. Ouais, Et autre, par ça, je contre, bonne récolte nouvelle, rien moi. Il n'y a Là. plus rien dans la forêt. Hein. Ouais. Alors, mon petit monsieur Mime. Il est où le mien? Il m'en manque un. Et il est là-bas.
Oh le calvaire. Oh il a pris 12 levels. Hop. Mec, il a tout détruit. Que je fais une grosse grosse buzz. Mais. Oups. Mais avant... Non, non, mais faut... on va refaire la même chose. Hein. Non, mais ouais. Non, mais je suis d'accord. Vous refaites chacun votre truc. Ouais, bah oui. C'est le but en fait. C'est que. On récupère on... ce qu'il y a dans les sacs par contre. Avant que ça dépape. Hop. Hop. Eh, hey, ça a bien fait up, hein. Ils ont pris 12 et 11 levels. Ah oui, ouais, il y a plein de. Attends, mais elle est où la commande du coup pour. Oh là là. Il va à la structure. Ah mais non, enfin c'est pour donner. Non, non, non. Alors, hop. Ah, tu vois, j'ai 500 perles déjà, on pourra tester l'autre. Le jeu commence à m'agacer, j'ai taillé mon premier Pokémon, c'est bon, je suis comme un gosse maintenant. Je vais prendre toutes les structures, ça me donne toutes les maisons du... Oh, mais t'as vu. Et voilà les amis, du coup, j'ai récupéré mes perles, j'ai récupéré de l'huile. Du coup, on pourra faire le fabricateur, on va pouvoir bientôt attaquer les électroniques justement pour avoir des meilleurs Pokéballs et tout. Enfin, bientôt, tranquille hein, aussi. Mais bon, voilà, on est sur la bonne voie, sauf que il y a eu un petit souci. Voilà, donc après, il manque plus que les... il me faudrait juste du cristal, aller le chercher, mais je vais attendre d'avoir Dracaufeu pour aller le chercher plus facilement. Parce que vu que c'est en hauteur, avec un volant, ce sera plus simple. Parce que là, j'ai trop peur de me faire tuer par des Pokémon sinon en route. Donc je vais attendre Dracaufeu pour ça, sachant que voilà, j'ai besoin du cristal pour avoir les... Pour avoir la longue vue, vous savez, la longue vue c'est quand même vachement utile. Et en attendant, comme vous pouvez le constater, je suis à l'emplacement de la base et il y a eu un petit souci. Vous avez dû l'entendre juste avant l'ellipse. C'est qu'en fait, Mino s'est planté de touche. Enfin, il s'est planté de commande en fait. Il savait pas que ça faisait ça. Il voulait détruire en fait une construction justement de personnes qui n'avaient pas respecté les règles. Et en fait, il a détruit toutes les constructions de la map. Bon, ça va, il n'y avait pas encore des grosses constructions. Même nous, on s'en fout. En vrai, on le refait vite. Mais bon, c'est vrai que sur le moment, voilà, ça fait un peu bizarre, quoi. Bon, du coup, ce qu'on va faire, on va se faire une petite ellipse. Moi, je vais refaire ma petite maisonnette, hein, comme elle était. Ou peut-être que je vais la faire en pierre ce coup-ci. À voir. Et puis voilà, ensuite on va refaire le centre commun et on va voilà, on va refaire un petit peu ça. Et on se retrouve juste après du coup pour continuer d'avancer, tout simplement. Hein, voilà. Allez, à de suite. Voilà les amis, donc moi j'ai refait ma petite maison. Je l'ai un peu agrandi, je l'ai juste agrandi d'une rangée, vous voyez. Hop, voilà. Voilà, commencer à l'intérieur, c'est un peu plus tranquille. J'ai remis mon monsieur Mime là où il était. Du coup tout ça c'est tranquille. Ils en sont où là, niveau évolution? Hop. Toujours pas. Le mec qui essaye trop. Et toi, hop. Ok. Toi, j'ai remonté tes PV encore et après, on va te mettre en dégâts. Ok, bon, ça aura pris quand même quelques levels. Donc voilà, la petite maison qui est refaite. Voilà, hein, tranquille encore une fois. Hop, toujours le petit panneau devant. En fait, elle rend mieux même comme ça, à la limite. Voilà, à côté Ricky a refait sa maison, il fait... Ah ouais, avec le petit parc devant, c'est pas bête. Puis c'est carrément stylé du coup avec les Pokémon qui sont devant aussi comme ça. C'est sympa aussi, ouais. Ah, c'est sympa ce qu'il a fait. Au moins ça affiche un petit peu ses Pokémon, vous savez, devant et tout, quand on passe à côté, là ça fait carrément stylé, genre l'enclos à Pokémon. Genre il garde ce qu'il veut sur lui et puis les autres ici dans l'enclos, c'est sympa. Du coup le centre a été refait aussi ici, là... je crois que c'est Ellie qui a fait ça. Mais je suis pas sûr. Ah bah il y a des forges là aussi, ok. Ok, ok, ouais, c'est ça, c'est Ellie. Bah là aussi, du coup, on a des forges en double, je savais même pas. Je savais pas vu qu'elle en avait mis là, bon, sinon on a toujours le centre commun. Et du coup, faudra qu'on se mette le fabri, quoi, du coup, au milieu, et ce sera parfait. Et là, vous voyez, à côté aussi, pareil, ils se sont fait des petits trucs sympas, hein, ici. Sa petite maison avec son balcon, là, c'est sympa. Et là-bas, pareil, il est en train de faire une maison, hein, elle est vachement cool, franchement. À côté de nous, regardez. Regardez, sa maison, elle est vraiment sympa aussi. Vous voyez, donc chacun fait son petit truc, là c'est voilà, c'est plutôt cool pour l'instant. C'est plutôt sympathique, il n'y a pas encore eu trop de duels hein, forcément, puisque là on est encore dans la phase d'évolution. Ah oui, il est double, ok. Bon, en même temps il vaut mieux. Ah, ça va, ça rend vraiment pas mal. Hein. Enfin, on les voit pas très bien, remarque là, les Pokémon. On les voyait mieux telle heure, quoi, mais bon. Ça fait un peu plus fermé, quoi. Du coup, voilà, alors moi ce que je vous propose, c'est que... Bon, on va tester quand même vite fait la vending machine, du coup. S'il y avait bien ce craft, voilà. Voilà, voilà. Alors attendez, parce que tout à l'heure j'avais tout et n'importe quoi là-dedans. Ça, j'en ai pas besoin.
Alors, la vending machine. Waouh, c'est quoi? C'est tout petit? Ah oui, d'accord. Ah ok, est-ce que je peux la pick up? Ouais, ça va. Ok, j'avais pas compris que ça se plaçait comme ça en fait. Ok, ok, alors attendez. À se placer comme ça, on va mettre la vending machine ici. Ah, c'est parfait ça! C'est parfait. Et même elle, à la limite, on pourrait la déplacer parce que là, elle est un peu. Elle est un peu fichue n'importe comment. Voilà, c'est un peu plus classe, je trouve, comme ça, ça fait plus propre. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? On peut acheter tout ça, donc il me faut des perles. Bah, vous savez quoi? On en fait un de chaque. That's it for your Pokémon. En gros, c'est dans tous les cas, c'est de la nourriture pour les Pokémon. Sauf que, voilà, ça c'est à l'orange, ça c'est autre chose, etc., etc. Donc on va voir. Ah, on peut tous les crafter en même temps en plus, ok. Et du coup, est-ce que mes Pokémon... Voilà, lui, il est pas full life, par exemple, Monsieur Mime. Donc je vais tester sur Monsieur Mime, je vais en tester un. Je sais pas, je vais en mettre un. On va tester, voir si ça fait quelque chose. Il est niveau 128. Ok, il a pas besoin de monter de niveau. Attendez, on peut le mettre en... Non, non, on peut pas le mettre ailleurs. Il a 4500 HP. Ça n'a absolument rien fait, en fait. Ça n'a absolument rien fait. Il a pas pris d'XP, il a pas pris d'HP. Est-ce que c'est juste de la nourriture, finalement, pour eux? Ça se trouve, c'est juste qu'il la mange et que c'est plus consistant que le reste de nourriture. Je sais pas. Ça peut être ça, je vais tester vite fait. Je vais tous les mettre, hop. Donc ça food, pour l'instant il ne mange pas. Pour l'instant il ne mange pas, si je lui fais manger là. Ça lui remonte même pas la food, ça lui remonte rien. Je comprends pas, ça sert à rien je crois. Bon, j'ai l'impression que ça ne sert strictement à rien, parce que là si je lui mets ça... quoique je sais pas s'il mange de la viande ou Monsieur Mime il doit manger des 5450. Ah si, ça il les mange, ok ok. Ouais ouais, ça il les mange, ok. Ok ok, est-ce que ça lui remonte vite la vie d'ailleurs? 4600. Non, ça change absolument rien, ça lui remonte pas. Bon après là il a plus faim aussi donc voilà. Mais non bah ok, bah du coup je sais pas à quoi ça sert cette nourriture. Bon bah on a des perles, c'est bien joli. Ça ne sert à rien. Bon, ça servira plus tard pour les crafts, hein. C'est pas grave pour les crafts normaux de toute manière. Mais en tout cas, là-dedans, ça a pas l'air d'être très utile. Ou alors, il y a un intérêt que je ne connais encore, enfin que j'ai pas encore trouvé. On testera, on verra avec les autres. Hein. Je vais leur montrer et on va voir s'il y en a qui arrivent à trouver à quoi ça sert. En attendant, qu'est-ce qu'il nous faut pour le Fabri? Ça fait trop longtemps que j'ai pu jouer, je sais plus ce qu'il faut. J'ai plus de tête. Je ne sais plus de tête, je sais plus ou moins, mais ouais, je me souvenais pas qu'il fallait du cristal, par exemple. Ah oui, le cementing, bon, le cementing pass, ça se fera. En fait, on a tout sauf le cristal, et le cristal, je voulais attendre d'avoir mon petit Dracaufeu, n'est-ce pas? Parce que le cementing, on peut avoir de la chitine assez facilement sur les Pokémon. Faut juste voir lesquels, mais ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Bah du coup, ce que je vais mettre, c'est que, hop, oil ici... On va laisser quand même du métal comme ça, là, là, et ouais, ce serait bien de se faire un petit mortard du coup, quand même. Ouais, on a pas un peu de stone qui traîne? J'en ai pas mis, ouais non, mais attends, j'ai rien mis. Allez, je vais aller chercher, bah tiens. Est-ce que ça suffit? Non, il m'en faudrait une autre. Une autre stone, please. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, il manquerait quelques maisons par contre de ce côté-là. Vous voyez que ça fasse vraiment le tour du centre du village. Le petit mortard, du coup, et ça va nous permettre de faire la spark et tout ça. Je vais le mettre à côté, je vais serrer un peu parce que j'aimerais bien mettre le fabri de l'autre côté ici. Même si c'est un peu dangereux en soi, parce que si un Pokémon arrive, il peut nous le casser facilement. C'est vrai que ce serait assez dommage. Mais bon. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Hop. Et puis c'est parti. Et on verra. Voilà, voilà. Allez, dis-moi que tu vas évoluer là. Fermé.
Ors, depuis qu'il y a plein de gens qui sont installés sur notre sur notre côté de plage, il n'y a plus aucun Pokémon. Bah ouais, c'est ouais. Obligé. Et Mignon, il a trouvé tous les Pokémon légendaires au Redwood. Ouais. Ouais, mais voilà, mais c'est à dire qu'il fallait au Redwood parce que là, regarde, là sur avant, c'est quand on s'est installé avec Ors, il y avait Mastruc. Mais quand on se dit Mastruc, ça avait Mastruc. Là, ouais. Je viens de faire le tour, il n'y a plus rien quoi. Mais au moins, on se fait pas attaquer là non plus, on peut aller chercher à l'autre bout de l'île, c'est pas grave. Oui, oui, on peut aller chercher, mais je pense que par là bientôt, je vais me mettre un. Mais moi, dès que j'ai Dracaufeu, je vais aller voir justement le Redwood, je vais aller voir tous les endroits où on n'a pas été, où il peut y avoir des trucs sympas, tu peux aller chercher. Après, moi je serais d'avis à ce que tu prennes le radeau, tu mets un lit vers le Redwood, et genre tu mets un lit sur le radeau, et tu pars vers le Redwood avec ton radeau, et après tu pars en Dracaufeu. Comme ça, ça te fait un point de respawn pas trop loin. Ouais, ouais. C'est parce que si tu meurs sur le radeau. Mais de toute façon, on peut se mettre un lit sur le radeau, on l'appelle radeau, on le sait, et puis voilà. Faut juste penser à renommer les trucs parce que sinon, des fois, on s'y reconnaît. Ah, du coup, on a chopé un deuxième Itchy. Ah, nice. Vous l'avez comment essayé de le lancer sur la terre pour voir ce que ça faisait ou pas? Non. Oui. Bon, bah, je vais essayer. Bah, si tu l'as dans la Pokéball, tu l'as là? Ouais, je suis dans la Pokéball. On l'a bah, si tu l'as dans la Pokéball, normalement, il devrait revenir dedans. Ouais, d'accord. Normalement, j'espère que tu tiens pas trop. Attends, t'es où? On est tous les deux en train de se regarder en mode vidéo. J'ai oublié du village. Du village, ok. Ok, attends. Attends. Allez. C'est bien lui. Ça, c'est Monsieur Mime. Itchy. Mais le près de la plage, au cas où. Non. Oh, regarde le visier. Alors. Avec ta main de ce bord, tu veux l'envoyer bien loin. Tel un dieu grec. Ouais, c'est ça, ouais, on dirait dieu grec. Qui, attends, mais tu l'as envoyé? Tu l'as envoyé où? Elle est en l'air. Sur un toit, normalement. Non. Ah non, il est là. Oh, mais. Le pauvre. Et il tombe. What? Il perd pas de la vie, il est pas comme la manta. Ah bah si. Ah bah si, ouais. Ah, mais il est retourné dans ta Pokéball, c'est bon. Mais il revient, ok. Bon, ouais. C'est déjà une bonne chose. Ah, parce que du coup, j'ai pensé aux manta dès qu'elles arrivent sur la plage, elles crèvent, mais. Bah même les Itchou. Ça met quelques secondes, mais ils crèvent. Mais les Itchou, ils vont jamais sur la plage. Ils sont toujours buggés dans l'eau. Ah, si, ça arrive. Ah, si, ouais. Ah, putain. Ils meurent direct. Enfin, ils. Quelques secondes. Ouais. Même pas. Bon, du coup, faut que je fasse XP mon chaméléon là. Moi, j'ai envie de transformer mon mini Draco en Dracolos. Et j'ai que trouvé des autres trucs jaunes, il n'y avait pas jaune et rouge. Bon, on va prendre Monsieur Mime du coup pour XP aussi. Désolé, hein, je vais devoir le sortir de là. Ah, non. On est pas d'accord. Je sais qu'il était propre, mais bon. C'est très bien là. Du coup, je peux le laisser dans la Pokéball, j'ai dit, hein, normalement. Je vais juste sortir Monsieur Mime. Je vais aller tuer des trucs, et justement, je vais voir un peu ce qu'il y a là. Après, mais tu fais un mur entier de, tu sais, en vitre, comme ça tu feras comme s'il faisait les carreaux. J'avoue. Ah oui. J'avoue, ouais. Mais c'est pas ce qu'il fait dans la série d'ailleurs. Le nettoyage tout le temps. On sait rien. Si, c'est lui. C'est avec la merde. La merde. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est chez Monsieur Mime. C'est pas lui qui est chez la mère de. C'est quoi? C'est Sacha, c'est ça? Ouais. Il ménage tout le temps. Ah peut-être, ouais. Si, je crois que c'est ça. Peut-être, oui. Ça fait longtemps, mais je suis pas fou. Ouais, enfin, il y a un déballé, ouais. Ah oui, c'est. Il manque un peu de verre quand même dans ta collection. 317 de dégâts là. Et après. Bon, ouais. Et moi je me casse, je prends le radeau, à plus. Oui. Bon, du coup, moi j'ai. Faut que j'aille retourner farmer du coup. Bah, du coup, je te dis dans les autres biomes. Si tu vas sur les îles du milieu, tu vas avoir plus ou moins les mêmes Pokémon que là où je suis. Oh oh. Mais. Enfin, que là où on est. Ou à gauche. Mais mieux à gauche là. Si tu vas au Redwood. C'est l'entrée là contre, comme ça. Oui, mais ça veut pas tourner en fait. Ricky, ouais. Mais bon, c'est tout, on a juste un petit truc comme ça. Ricky, si tu vas au radeau ou si tu vas au Redwood ou si tu vas au. Dans ce cas-là, on diminue plutôt là. Ouais. Au volcan, tu as par contre pas mal de Pokémon différents que là où on est. Tu veux venir Pex avec moi? Ah, mais tu vas pour XP toi là-bas? Ouais, j'y vais pour Pex, mais Pokémon, j'ai plus rien à buter en fait. Ah, bah justement, je suis en train d'en tuer là, mais si tu veux, ouais, si tu veux. Bah, j'y vais, tu veux retirer là. Ouais, bah allez, par contre, là. C'est suffisant. Je t'attends, Mais vraiment, plus c'est bien, hein, si des bestioles meurent à côté des nôtres quand elles sont sorties, elles vont prendre de l'XP passivement. J'en ai marre de m'évanouir. Ah, on a marre de quoi? Oui, j'ai vu une meuf tomber là-bas. Il a rien pris. Une meuf, ouais, c'est moi. Vas-y, bah j'arrive, mais il y a des bestioles. Ouais, je t'attends. Ah, oh, ouais, mais ça me gonfle. Ça. Allez, je te dis que ça fait rien là, le truc de perles. J'en ai fait plusieurs et je sais pas, ça fait rien.
Ah ouais. J'ai essayé de les faire manger, ça heal pas, ça... Ah, faut que je lâche le radeau. C'est bizarre que tu aies fait ça quand même, si ça fait rien du tout. Ouais, mais je l'ai mis ici, là, le distributeur. C'est toi qui as un Pikachu qui te suit, là ? Non, mais le distributeur, il est là. Mais pourquoi il y a un Pikachu ? Je sais pas, mais il suit... C'est qui, là ? C'est le monsieur. C'est qui ? Ah non, c'est un autre gars. Vas-y, vas-y, je t'attends. Du mec ? Ouais, j'ai vu le distributeur, je sais pas à quoi ça sert, peut-être. Mais c'est ça, le distributeur, justement. Ouais, vas-y, vas-y. Bah, tu peux nous guider. Ouais, après aller jusqu'au Redwood comme ça va être long avec le radeau. On va juste aller en face au pire pour l'instant. Si c'est juste pour voilà, Pex. Bah à la limite si c'est juste pour Pex, on a qu'à tuer des trucs juste en face et on va chercher du cristal en même temps comme ça. Ouais si tu veux. Comme ça on peut faire le Fabri. Et comme ça mec on peut faire le Fabri et on peut faire les électroniques déjà. Puis c'est quoi c'est faire les métals, les électroniques. Donc on pourra même... On peut faire les autres Pokéballs ou pas? Bah justement si on a les électroniques on pourra faire les hyperboles et même les master balls, mais les master balls c'est quand même 1000 électroniques donc tranquille et faut level 100 aussi mais la master ça one shot enfin ouais ça one shot ouais c'est t'es sûr de choper donc, par contre tu peux aller chercher un boutou qui est bien au level et comme ça voilà ouais par contre quand tu vois le prix bon voilà ouais. Tu as pas intérêt à louper ton lancer. Attends il a ultra je peux la débloquer mais j'ai déjà débloqué c'est quoi c'est 25 électroniques. Et après c'est 30 métal, c'est pas grand chose le reste, c'est juste les électroniques qui vont être chiants pour lui. Juste à côté de chez nous au final. Enfin tu me dis avec le nombre de personnes qui sont à côté. Ouais, mais de toute façon on a le métal, c'est pas un souci, on en aura facilement. Monsieur Mime, j'ai pas envie de t'attaquer ça, ça fait trop mal. Tu veux pas attaquer quoi? Le Monsieur Mime. Non, faut le taille. Là, il y a un féro singe si tu veux. Il a déjà la suite. Ouais, voilà, c'est réglé. Ah mais ton hypno mon gars, il va tellement... Mais mon hypno, il a trop de vitesse de déplacement, c'est pour ça. Mais oui, non, pas censé être de tension en plus cette créature là-bas. Non, je crois que c'est le soporifique qui est... Ah oui, enfin, c'est celui d'avant. Ouais, je crois. Allez go, défoncez-moi ce mini draco. Aïe. Ah par contre, ouais, faut que je le remette. Normalement ils sont en lot, c'est bon. Ce serait bien que Monsieur Mime tape en fait. Il est très bien. Et peut-être tous les recycler en neutre, je suis pas sûr que les miens sont en neutre. Je suis en train de monter, je regardais un peu les dignes qu'il y avait, en même temps j'appuie sur eux pour farmer, mais là je suis lourd. En fait, coup, je reviens là-bas. Non, mais ils sont déjà en neutre, regardez, essayez d'y aller. Mais le problème c'est qu'en fait, ton hypnomate galère à toucher, et vu que c'est lui qui est devant, en fait, ça galère. Attends, mais je vais retirer mon hypnomate. Y'a un Raichu, mon gars, pas loin là. Ouais. Reptincel, par contre, lequel? Ah, mais tu utilises Arinem, c'est bon. Ouais. Ah, le mien il a pris 2 levels. Je pense qu'il va bientôt... Enfin, je sais pas. J'ai trop hâte qu'il se transforme en Dracaufeu. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on va buter maintenant? Je sais pas, mais on va en hauteur pour essayer de choper du cristal. Attends, je sais pas trop parce que... récupère tes Pokémon, c'est un bus qui sont ultra lents. Ouais, moi je les ai renommés, ça me fout les noms en anglais. Ouais. Bon, t'as raison. On va essayer de voir, je te dis, si on trouve du cristal en même temps, ça pourrait vraiment nous aider. Je voulais attendre Dracaufeu, mais vu qu'on est déjà sur l'île, autant y aller. Ouais, je suis avec toi, vas-y, je te suis. Je sais pas où aller. Faut aller en hauteur, je sais plus trop où est-ce qu'il y en avait non plus, ça fait longtemps. On va en faire attention, parce qu'en plus il y a gros des trucs. Fais gaffe. Oh, ok, on sort où là? Mais attends, mais on remonte. Attends, mais moi je l'ai plus. Tu veux le tuer? Ah, ça fait bizarre. Regarde. Il a envie de mourir, il est mort, voilà. C'est pour ça que je t'avais dit en mettre un sur deux les piliers en fait. Là il y a un escalier là. Ouais mais justement tout à l'heure j'étais passé par là pas mais il faut aller bien plus haut. Mon hypnomane il a tapé une fois tu vois. Ah bah tu vois. Ah putain mais faut sauter. T'as Rinem Lely au fait sur le radeau? Oui, ça s'appelle radeau. Ouais ok. De toute façon ils sont un peu à côté, on les verra normalement. Donc tu places des fences avec des... Comme ça on fait ça, on se met bien et on ira... Dès qu'on aura les Dracaufeux on pourra aller visiter plus facilement les autres îles où il y a vraiment d'autres choses. C'est juste une... En fait, tu pètes ces murs là et puis on fait la maison plein, mais c'est juste l'arrivée quoi. Ah, tu cours vite, toi t'as mis tout en. Ouais, c'est murs, non, mais c'est, il est en admin déjà donc il a dû se monter. Non, mais je parle de toi. J'ai plus de stun. Ah, moi j'ai monté pas mal en vitesse. Oui, j'ai compris de ce que tu me parles, mais écoute, on peut rien faire. Ah oui, à ce point là. Ah, j'ai mis 0 points en vitesse. Ah oui, bah oui. Au pire, tu mets des. Moi j'ai vite la vie et de la stab. On aurait dû limite se faire des grappins, tu vois. Moi j'ai pas de stam, du coup je suis vite à court. À court. Attends, par contre.
Non, enfin, je remplisse mes gourdes là. Je vais mettre mon métal à chauffer. On va pouvoir faire plein de pokéballs juste durant au-dessus. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est chiant. Non, pas ça, pas ça. Ça me gonfle. On va essayer de monter. Non, je vais aller voir. Pendant qu'on fait la maison, il y a quand même des trucs. Ah, à gauche, t'as vu, il y a un Floresia là, je sais pas quoi. Ah, mais il y a un truc bleu qui vole à gauche, c'est quoi? Mec, il y a un truc bizarre en face, Dieu. Le truc à gauche qui vole là au-dessus de Mino, je sais pas ce que c'est. C'est super plat et tout, c'est trop chelou. On dirait une planche. Ah, je sais pas. C'est une épée. C'est une planche, mon gars. On edge. Attends, je la vois plus. C'est une épée, elle est dans le sol. Elle est là. C'est quoi ça? Ah oui, c'est vraiment une épée. Aïe, aïe, ah, ah, ah. Ah, elle t'attaque. Oui, je vais me barrer parce que c'est volant. Que je mets ça. Attends, moi, je sais pas comment on désactive l'invisibilité. C'est un peu massif. Ricky, là, comment ça on fait pour monter? Ça va traverser surtout dans la maison. Et là, tu crois qu'il y a des Pokémon dans la maison? Il y a la grotte là. J'avoue que dans la grotte, il doit y avoir du cristal. Oui, il y en a. Oui, en plus, j'ai vu l'entrée, je suis même pas allé, tu vois. Ah, je sais. T'as raison. Par contre, ça va freeze. Ouais, c'est pas grave. Oh, ça va. Ça fait plaisir de pas avoir de serpent là-dedans. Ouais, bah j'avoue que là on va se faire place niveau cristal en fait. Ouais. Faut que je régène. C'est à tout à l'heure quand j'étais venu en fait, je m'étais dit vas-y, j'ai pas envie d'aller trop loin, j'avais peur de me faire putain, tuer. Mais pourquoi l'eau elle descend aussi vite? Je comprends pas. Parce que tu cours. Oui. Ouais, mais je cours plus en fait, mais quand je suis à l'arrêt. Il y a même du métal. C'est vrai que je m'étais dit soit une grotte, mais les grottes je me souvenais plus des spots, soit en hauteur, et j'avoue que là la grotte c'est parfait. Ouais. Ah mec, le métal là, on se met bien. Voilà, après on peut rentrer faire contre tout ça. Hein. Ouais, on peut déjà rentrer avec ça, on peut faire le fabri du coup avec tout ça. Ouais. Et après, ouais, dès qu'on a level up les trucs, je te dis, on pourra aller au Redwood, je sais qu'il y a masse Pokémon qui ont rien à voir avec ce qu'on a là. Ouais, c'est sûr. Et sur le volcan, pareil, il y a. Dessus, on va dire. Sur le volcan, t'as des racailloux, des dracolos et tout ça aussi, tu vois. Ah, je suis un peu lent par contre. Je suis un peu lourd maintenant. Moi, bon, je peux balancer un peu de stone, c'est pas gênant. Je peux balancer un peu de ça. Je peux monter un peu mon poids, hein, c'est pas grave. Je l'ai monté à 1700. Au final, j'ai pas besoin de te le mettre. Oh, voilà. Il y a du métal en face, on va quand même le prendre. Ce qui va se passer, c'est juste que. Ouais. Quand tu balanceras, ça sera mon. Enfin, il m'appartiendra, mais. Oui, oui, je sais. Je les ai tous les deux du coup. Okay. Je vais balancer la stone. Ah, j'ai quand même perdu de la vitesse là. Tu m'étonnes que t'as perdu de la vitesse. Moi aussi. Ah, ça va être long hein. Ah non, mince. Ouais, bon, vas-y, on garde au pire. Ça passe encore. Faudrait juste que je boive un petit peu. Oh, oh ça frise quand tu sors de là. Ah ouais. Non, ça va. Toi, Pikachu. Ah ouais, non. Oui, c'est moi. Ah d'accord. Ah, mais ils sont décédés. Tu veux qu'on aille voir? Ouais, mais fais attention à tous les trucs volants là à gauche. Oui. L'épée a one shot mes bestiaux. Ah ouais? Ouais, non, mais ils avaient plus de vie. Ah, il y a un autre truc à droite. Un autre truc. Saloperie volant. J'aime pas ces trucs là qui volent. Ouais, en plus ça les touche pas nos Pokémon là au sol, c'est trop la galère. Non. Bon, au final, on est parti pour Pex, on a été farmé, c'est cool. Mais au moins, on a ce qu'il faut, au moins, ça c'est réglé. Allez, Paco, rentrez. C'est par là au moins? Oui, c'est par là. Le mec, je le vois me tracer de ouf, en mode hey, salut! Ah, je croyais que t'étais encore à l'arrêt, moi. Ouais, non. Mais c'est ça, là-bas, il doit y avoir l'escalier qu'on a pris. Ouais, moi j'ai préféré monter ma stam et ma vie. Comment se faisait one shot par les Pokémon? Ouais, ouais, ouais. Bon, après, on pourra se faire des meilleures armures donc. Ouais. De toute façon, je montrerai le reste des levels en vitesse. De toute façon, pas besoin de plus d'avoir des mini vitesse, ça vous fait bugger après. Il a rien pris. Hein. Mais je pense pas qu'il soit. Enfin, je sais pas combien de levels c'est du coup pour re-up. Je me souviens plus combien je l'ai eu donc. C'est 20 la première évolution, je dirais bien au moins 20 si ce n'est 40. Hein. Je pense que c'est plus, on est plus proche des 40 pour la dernière évolution. Ouais, ou peut-être 30, ouais, je sais pas. 30-40. Hein. Ouais, parce que moi j'ai déjà passé les 25 levels en plus. Hein. Ouais. Et j'étais dans la ville ou quoi? Ah non, il y a un escalier, attends, je t'attends si tu veux.
Et j'étais en mode, j'étais dans le vide. Bah oui, ça va plus vite. Hein. T'as pas de parachute. Mais mec, j'ai failli crever en rentrant comme ça. Là. Je crois que je vais me faire des parachutes au cas où. Mais tu sais qu'en plus, genre, il y a des dégâts là-bas par contre. Ouais. D'habitude, genre. Les parachutes, c'est le truc qu'on fait en premier sur le jeu et tout. Mais j'avoue que vu qu'on est dans une histoire Pokémon, mon gars, je suis même pas en parachute grappin. Genre, les bases, c'est fini pour moi. Ouais, c'est un mec en train de tabasser avec son moche bim. Ouais. Bon, c'est lequel son Pokémon ? Ouais, c'est. Oui, ah non, c'est le Karchakroc, son Pokémon. Ah ouais, 134. Ah, il tabasse un moche bim. Il essaye de le capturer. Ah, il s'est fait un radeau maison en fait. Ouais, je sais. La vieillesse. J'arrive. Vas-y, je vais débloquer du coup les longues vues aussi. C'est quoi ce spyglass? Voilà. Sors du radeau, je suis monté dedans. Voilà, voilà. Oui, bonjour. Ah, salut, ouais. Salut, ouais. Ah, c'est le mec. Un combat? Salut. De quoi? Il va un combat. Un match Pokémon? Ah, oh, pas pour le moment, non. On a pas ce qu'il faut là. Enfin, ça dépend, t'as beaucoup de Pokémon ou pas, toi? J'en ai 3. Voilà, on fait un duel 1 contre 1, vite fait. Sans enjeu, tout ça. Histoire de test. Ah ouais, je vais me faire death. Il est beau. Qu'est-ce qu'il a? Ah, il est propre. Un Lucario. Ouais. Attends, je vais quand même tester. Je me pose ce que c'est comme truc. Du coup, parce que j'ai pas eu le temps de voir toute la vidéo en entière. Lapin bleu, ah d'accord. On a fait une maison sur un bateau. C'est autorisé tant qu'on est près de la côte. Ouais, on a rien du bruit, oui, y'a pas de soucis. Ouais. Ah, par contre, tu peux le défoncer, mec, avec mon monsieur Mime. Je sais pas. De toute façon, c'est clairement lui qu'il faut. Vas-y, quand tu veux. C'est ça. Ok. Oh, 321. Ah, oui. Okay. N'oublie pas de le remettre en passif après pour pas qu'il m'attaque à moi si jamais tu gagnes et inversement. Après le combat, c'est qu'il continue pas sur le dresseur. Mais des tatanes. Ouais, mais il est 321. Je sais pas, je vois pas sa vie, mais ça dépend de la vie qu'il a. Ah ouais, non, je le déboîte en fait. Il a beaucoup de points de vie votre monsieur Mime. Oh, 5000. Ah, le mien il a que 3000. Le mec s'est dit je vais être le premier à niquer or. C'est bon, je l'ai remis en passif, c'est bon, il va pas vous attaquer. Du coup, l'enjeu c'était quoi? C'était tous ces Pokémon, non? Non, il y a un seul. Mais c'est un Lucario, tu vois, je pensais qu'il allait me def, mais en fait, non. Il est en train de. Ah oui, non, c'est toi. J'ai cru que c'était lui qui est en train de tout sortir. Bah, GG en tout cas. Allez, on va reprendre le. Bah... On va reprendre l'eau. Okay. Allez, à plus. Bah, moi, je suis. À plus. Ouais, t'allais dire, pardon? T'as dit un truc, non? Non, mais justement, je suis allé dire comme quoi je vous laisse pour aller récupérer le stuff à... Ok. Mais j'avoue, mon monsieur Mimi, il est OP. Oh ouais, non, mais il a fait trop mal. Son Lucario, il t'a descendu à combien de vie, là? Midlife, je crois. Après, son Lucario était pas full life. Ouais, mais le mien non plus. On était à peu près pareil. Il était mais peut-être après, genre, son Lucario tapait à 204, son Monsieur Mime tapait à 321. Ouais, mais après, ça dépend aussi combien t'as d'HP. Si tu tapes à 300 mais que t'as 1000 PV, ou si tu tapes à 200 et que t'as 10 000, tu vois le délire. Ouais. Après, c'est pareil, en fonction des Pokémon et des Xbox, je pense qu'il y a des fréquences de. Enfin, tu sais, t'as les DPS aussi, si le mec il attaque plus vite. Ouais, enfin, voilà, il y a plein de choses. Et en plus, on avait vu, enfin, on a l'impression quand même que les éléments jouent quand même aussi sur le jeu. On n'est pas sûr quand même à 100%, mais il nous semblait les tests qu'on avait fait, genre qu'un Salamèche avait l'avantage sur un Bulbizarre, tu vois, par exemple, à niveau égal ou ce genre de choses, quoi. C'est ça. Mais bon, c'est ça. Il a level combien son machin? À 100 et quelques aussi, hein. il était solide. 121 quand même. Ou 131, je sais. Ouais, il était solide, mec. 131, t'as dit tout à l'heure. Ouais, voilà, merci. C'est rien. Ah non, il était solide. Il y a la secrétaire Yuki qui se rappelle de tout. Oh, c'est qui a balancé un Tortank là? Doit être les voisins. Ah, j'avoue que le petit monsieur Mime, il va faire le taf, je pense, dans les duels. C'est ça, en plus... Après, faut voir quand il y aura les tiers 3, bien montés. Ouais, clairement. Mais là, déjà, lui, je l'ai bien monté. Genre les 3e évolutions, en gros. Les 3e évolutions. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. C'est vraiment des Pokémon OP, les 3e évolutions. Ils prennent tellement de stats que...
Mais j'ai trouvé plein de trucs jaunes. Mec, il va se ramener avec masse de Pikachu là. Alors, on va mettre ça là-dedans. Le métal. Divisé. Ah, je te laisse aussi remplir la dernière forge là, j'ai mis dans les trois premières. Ouais, je la remplirai. T'as un canard. Il faudra du bois. Hop là. Ah, mais il y a un psychocroc. Oui, j'ai trouvé un autre truc jaune. Ah, mais Mino. Truc jaune. Un truc jaune. Encore un truc jaune. Oui, bah, temps, pas, 11. Mais... Vas-y, c'est quoi ses stats? Je suis curieux quand même, parce qu'il est gros. Hein. Tiens, attends. Mino. Il me tue ce mec. Je mets encore du bois dans les forges là. C'est plus gros qu'un Raichu cette merde là. Tu peux prendre pour les stats. Ouais. Du coup, j'ai cru de savoir l'évolution. Je vais chercher un peu de bois. Je vais faire des spyglass. Il y en a qui en veulent. Un peu tout le monde, j'imagine. Ouais, j'en veux bien. 1200. Ah, c'est ouais. Pour... ouais, ça va. Voilà. Et sachant que ça a une évolution cette merde. Aquaquack. Oui, aquaquack. Ouais. Pokémon Psy et O. J'en ai lancé 6. Ouais. Alors. On va aller tout de suite ceux qui ont geeké le jeu quand ils étaient petits. Hein. Non. Je mets dans le spy. J'ai toujours pas sur ma Game Boy en plus. Non, c'est joli. Pokémon rouge. Je l'ai mis dans le smith. Tous en fait. Ah moi je fais le rouge. Bah après j'ai aussi joué auquel c'était le gold. Oh, en fait. Ouais, celle-là avec... c'est une des meilleures. Ouais, avec les premières, les or et argent c'était les meilleures. Ouais. Abandonner encore un truc jaune. Allez hop. Allez hop, j'ai ma spyglass maintenant. Et ouais, du coup là je suis fait de. Pas l'heure, il y en a qui s'énerve. Après, toutes les autres, je trouve que c'était un peu chelou. Quand ils ont commencé à sortir d'autres Pokémon, là. Ouais, est-ce que tu vas évoluer un fort Carabas toujours? Ça marche bien sur les Pokémon d'ailleurs, ça, les Spyglass, j'ai pas testé. Ouais, ça a l'air bon. Ah, ouais, parfait. C'est bon, tu vas aller farm, tu vas aller peg cette fois-ci ou pas? C'est parfait. Bon, on va aller faire ça. Attends, je fais juste le Fabri du coup. Ouais, vas-y. Parce qu'en vrai, on peut se faire des hyperboles. Hein. Bon, attends, ah non, c'est ça que je voulais faire moi tout à l'heure. Ah oui, il va falloir de la Spark. De la Spark et du Cementing, il faut faire. Donc, il faut la Chitine en gros. Et... Chitine, ouais. J'en ai pas. Pourquoi vous l'avez abandonné le psychopathe? Hein? Non, il est en one de ring. J'en ai pas moi. Moi je l'ai relâché moi tout à l'heure. Piment, il faut. Ok. La Kikine et de la pierre. J'ai pas débloqué la Spark. La pierre, j'ai pas de pierre pas. Pas la Spark, le Cementing pardon. La pierre, oui. Donc c'est ça, j'ai la kératine qui peut fonctionner aussi. Non, je suis un petit perse. Ouais, j'ai drop la stone aussi. Faire une petite cage ici. Bon, en vrai, on a quasiment de quoi le faire, hein. ça se fera en 2-2. Ouais, non, mais c'est juste pour faire de la du ciment. Ah, je vais aller chercher un peu de stone. C'est la misère, comme on peut. Je craque le ciment. Voilà, t'enlèves tout là. Vas-y, faut refaire un peu de spark aussi. Non. Bon après là on l'a en vrai hein. Ouais. Putain, poudre étincelle ça s'appelle quand même. Poudre étincelle. Oh merde. Ah, je joue en français quoi. Qu'est-ce qu'ils ont pas fait quoi. C'est ça. Moi je le garde en anglais donc Ouais, enfin moi il s'est mis en français tout seul. Moi j'arrive pas avec le français, je suis trop habitué. T'as tu pour ça dans les arts maintenant dans le jeu. Oui, t'as des trucs dans les arbres pour le Redwood, oui. Waouh. Base. Plan de bataille. Hop, hop. Attends, mais je suis dans quoi? Je suis pas dans le bon truc, ça. Hop. Transpondeur. D'accord. Alors, des rails pour les monts de charge, voilà, on va se faire une maison comme ça, hein, avec des monts de charge. Tu l'as lancé où, le ciment, toi? Dans mon truc, chez moi. Ah, t'en as un chez toi, ok. Ouais. Ah ouais. Bien. Je vais lui voler. Hop là.
à l'armée. Allez, c'est repart. Non, j'ai juste volé, hein. Je l'ai mis dans l'autre. Ah, volé. Ah, d'accord. J'ai volé. Voilà. Bah ouais. D'accord. T'as même maintenant un truc pour les compétences d'artisanat, mais ah, je sais ce que je vais. Ça fait quoi la vending machine? Je peux te voir. Bah du coup ça sert à rien. Pour l'instant. Peut-être que c'est pour faire pex des Pokémon. Non, mais ça se trouve je sais juste pas l'utiliser hein. Ça. Ouais c'est rien. Une possibilité aussi. Ah bah oui, clairement. Bah oui. Bon par contre le Fabri là il est un peu à l'étroit. Bon, ça va passer quand même. Enfin, là il veut plus du tout. Ah d'accord. Tadam ! Voilà. Ah, j'ai pas fait de la gasoline d'ailleurs. Gasoline ! Oh merde. T'as dit Yankee, t'en prie, laisse t'en parler de moi. Voilà. Tu l'as mis où ton machin pour faire du ciment là ? Il est là. Dégage. J'aime bien le petit. Dégage. Et du coup. On va pouvoir faire les electronics. Bon après j'avoue que faire une seule hyperbole ça sert à rien, il en faudra plusieurs donc on va attendre. C'est pour ça que j'ai remplacé par du bois du coup. Ouais. On va attendre, mais bon en attendant. Ça et les perles. On va pouvoir en faire quelques-unes déjà. Hop. C'est quoi ce avec ton vieux truc jaune là hein? Alors, mais la vending machine, peut-être. Ah, mais le mec, il se bat, il a mis ses trucs en wandering. C'est qui con qui fait du parachute là? Vending machine. Ouais, on peut faire juste. Il y a un mec qui fait du parachute. On peut faire juste une ultra ball. Il dit que ça lui sert pas rien. Non, mais Minotti, complètement bugué. Pas quand tu as la fortitude. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur là? Qu'est-ce qu'il fait lui là-dessus? What the fuck? Bah c'est bugué là ouais. Non mais Mino. C'est rien encore fait comme conne. Oh, c'est connerie. Il fait le clown, c'est le cas de le dire. Ah oui en effet. Ah oui il fait le clown là. Il le fait même très bien. Il fait très bien ouais. Bon, et du coup j'ai pas le craft des Master Ball, mais je crois que c'était juste les électroniques qu'il faut en... à foison. J'ai peur un peu quand même. Mais, sans... mais après en dehors de ça, je crois pas que c'était très très cher, je sais plus, faudra qu'on voit. C'est peut-être en métal aussi. Ah, je vais voir. Ça. J'ai dit ça tout de suite. Un métal le... Alors, oui. Mais non, la Master Ball. Ah, non, c'est pour l'Ultra, je sais pas. Non, je parlais de la Master. L'Ultra, j'ai vu. Ouais. L'Ultra, en vrai, ça se fait, hein. Faut juste farmer un petit peu, attendre un peu que ça se fonde. 25 et... d'électronique. Et ça se fait tranquille, ouais. Ouais. Moi du coup. Sachant qu'on a déjà 21, par contre l'électronique, on la laisse pas traîner là, on la ramasse. Enfin non, ils peuvent pas l'ouvrir de toute façon, les gens qui sont pas dans la tribu. Si, ils peuvent ouvrir si on met pas de trucs dessus. Après ils sont pas censés le faire, mais c'est vrai qu'au cas où on pourrait quand même ranger certains trucs. Les trucs genre l'électronique quoi. Chiant, quoi. Ah j'avais pas vu ce que vous avez fait devant votre maison, c'est stylé, ouais, le petit shop là. Ouais, en fait on cache la misère parce qu'on pouvait pas mettre de piliers. En dessous. Moi j'ai bizarre. Fait un enclos à Pokémon. Ah non c'est sympa ouais. C'est sympa. Enfin même si votre escalier je sais pas trop jusqu'à où il va aller là. Ça on va très aller chercher les Pokémon. On va aller chercher les Pokémon. Vous allez faire une cheminée ou ah ben elle est déjà là. Ouais. Mais votre escalier on dirait une cheminée en fait de loin. Je sais pas comment vous allez faire votre truc mais. Ça mais, c'est béni ça. Vas-y hein, fais-toi plaisir. Oui moi je retourne. Et bien voilà mes chers amis on va s'arrêter là. Un bon petit épisode, hein, un petit peu de construction, un petit peu de farm, on avance. Encore une fois, vous voyez que pour les... alors, je me souviens jamais des noms. Les hyperboles, ça... Oui, en plus, c'est les noms anglais, c'est pas les mêmes. Ultra, ouais, je crois que c'est hyperbole. Les hyperboles, vous voyez, on a ce qu'il faut. Franchement, ça va, ça se fait. On pourra en avoir plusieurs chacun. Donc, il y aura moyen de TM déjà du plus gros. Et après, pour les Master Balls, je vous dis, il faut le level 100. Et par contre, il faut 1000 électroniques, il faut genre 500 métal. Donc, peut-être qu'on devra se faire la forge indue aussi d'ici là pour que ça aille plus vite.
Mais voilà, après ce sera juste du farm tranquillement, mais ça se fera aussi. Et dès qu'on aura les Master Ball, par contre, on pourra avoir ce qu'on veut. Et là, ça fera plaisir, là, ça sera sympa. Mais bon, en tout cas, on va faire une petite pause pour le farm. Et puis, prochain épisode, du coup, je vais essayer d'XP. Je pense que je vais XP en hors vidéo un petit peu avec Ricky pour mon Reptincel. Et comme ça, dès qu'il se transforme en Dracofeu, on reprend avec vous et on va pouvoir aller explorer un petit peu avec. Et essayer peut-être même avec les Pokéballs déjà de tame d'autres. D'autres dinos, ou au moins de les trouver, de voir un petit peu ce qu'il y a d'autre, quoi, histoire d'explorer un peu, quoi. Mais voilà, en tout cas, ça avance bien, c'est sympa. C'est sympa. Allez, bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, à très bientôt.